Pardon, pardon, pas tous les temps. Es-tu prête? Non. Ça va bien. Est-ce qu'on va une larme, Manny? Je suis avec ma soeur. Non, on n'est pas sortis du même vagin. En fait, pour faire simple, son père sortait avec ma mère et dans le fond, ils se sont rencontrés dans ma famille du côté de mon père parce que le père de son père, son vrai père, qu'il n'a jamais connu avant l'âge de comme 30 quelques années parce qu'il a été adopté, son père. Donc son père a décidé de retrouver son vrai père, qui était en fait mon oncle, et donc le retrouver, rencontrer ma mère, et maintenant ils sont plus ensemble. Mais dans notre tête, on est encore comme sœurs. Ceux qui ont compris tout ça, vous êtes fucking bons, puis ceux qui n'ont pas compris, écrivez what dans les commentaires. Même nous, on sait pas trop d'où on vient. On se connaît tout dans le fond, on se connaît pas. Bye! Pour commencer ça, vu que on veut se détendre un peu, parce qu'on n'est pas du tout stressé à ma gauche, on va prendre un petit verre de vie là. On peut-tu commencer vraiment trash puis shooter? Pis écoute, il n'y a pas de règle. Fait que shooter! On se croirait au reste de pancette. C'est pareil! Ah, c'est pareil! C'est-tu non! Je suis pas un homme gay de 45 ans. On va faire le plus gros pour Mimi. Cheers! Hey, ça brûle en ce moment dans mon corps. Le shooter? Ouais. À 20% d'alcool? Oui. On va commencer par le bacon, ça ferait beaucoup de sens. Oui! Je suis très, 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 très excitée de faire du bacon vegan. Et on a une super bonne recette qui en fait ta recette et j'ai vraiment hâte de savoir comment tu fais parce que j'ai juste vu des photos. Je t'ai jamais vu le faire. Fait que c'est quoi la première étape? Des feuilles de riz. Mm-hmm. Il faut les couper en tranches de bacon. OK. Puis ce qui est pas pire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé mon sac de feuilles de riz ouvert. Fait que l'humidité elle pogne dedans. Fait que ça fait qu'on le coupe. Ben quand on le coupe, ils vont moins casser. Ah! Truc de vegan. Je sais qu'on voit aucun potentiel là-dedans de bacon, je le sais tellement. Puis j'ai jamais pensé que j'aurais pu trouver un équivalent de bacon dans ma vie. Et c'est presque comme du bacon santé en plus parce qu'il n'y a pas de gras. For reals. Il y a énormément de sel, mais ça on n'a pas. On le dit pas. Non, c'est ça. Faut pas le dire. C'est la première fois ever sur ma chaîne que quelqu'un fait une recette. C'est vrai que c'est pas moi qui a décidé la recette et qui l'a montré. J'ai encore plus de pression dans le corps. C'est vraiment pression. Fait que c'est la sauce soya, la sauce barbecue. Des fois, je chante sur ma chaîne, le monde aime ça. Mat. Et là, on peut chanter la chanson de la sauce barbecue. C'est dans sauce. Barbecue! Barbecue! Il fait vraiment chaud, c'est épouvantable. Okay. Pourquoi j'ai pris un chandail noir? Ok, du paprika. Pas fumé, parce qu'on a déjà mis de la fumée liquide, fait qu'on se calme. On se calme la boucane. Poivre. C'est mon pitch. Aussi la levure alimentaire, mon anglais, nutritional yeast. Non, c'est quoi l'autre? Mais le mot quand t'es une vraie végane, c'est nooch. Nooch! Nooch! C'est la meilleure. C'est le... J'aimerais t'appeler de même. Pas le choix. Nooch. Nooch. Je vais t'appeler ma petite nooch. C'est même pas insultant, c'est juste. Ma petite nooch. Exactement. Ma petite levure alimentaire. Là, on met de l'huile d'olive. Condensation. Ça, c'est vraiment juste pour faire ça comme ça. Ouais. Parfait. Là, ce qu'on aime du bacon, c'est que c'est extrêmement salé. On prend le fouet. On peut goûter. Ça goûte quasiment déjà le bacon. Pour être sûr? Oui, mais le bacon liquide.
Donc on huile la plaque pour être sûr que ça colle pas. On a mis nos petits effets en paquet 2. Puis on les prend une fois dans l'eau chaude, une fois là-dedans, ça plaque la tête. Ah! On oublie la noix de coco! Oh non! Oh non! C'est l'étape la plus importante! Tiens. Et... C'est pas... Tiens, il peut être un petit peu... On voit qu'il est un peu... Ouais. Il est pas si mieux. Encore un peu rigide. Bonjour! Picotus! Miklou! T'es-tu niaiseux? Niaiseux! Mi-nou! Niaiseux! Mi-nou! Tu vois ça potentiel à date? Ça ressemble totalement à du bacon. C'est pareil! C'est pareil! Les yeux fermés là, on boirait du bacon. Hey, si jamais Zac Efron écoute notre vidéo un jour, tu pourrais dire quoi? Mettons que t'as la chance d'avoir une vidéo sur internet qui va peut-être, potentiellement être vue par Zac Efron. Franchement, il ressemblerait à ça. Je serais nue live. Prêt à l'accueillir. Prêt à... Déjà écarté. C'est quoi ton petit nom, toi, déjà? Efron? On voit qu'elle s'entraîne, là. Moi, je peux pas faire ça. Juste pour bien montrer mon trou dans mon bas. C'est dérangeant. That crispy as fuck. Ça a quand même l'air du bacon, tu sais, comme on le voit que c'est pas ça. Mais tu sais, c'est comme ça, ça a une couleur. Pour la prochaine étape, je pense que ça prend juste plus de vin. S'il te plaît. Si on garde tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos patates une fois qu'elles vont être épluchées? On va les mettre dans le blender. Cru? Non, c'est... Okay, on va les faire bouillir. Okay. Dans le blender, on va mettre les noix de cajou. Que t'as fait préhydrater. Le principal, c'est vraiment les patates, noix de cajou dans le blender. Puis à la fin, on va rajouter la crème et le parmesan. Ok. Un Nutribullet. Ah, oh, mais c'est de la marque Magic Bullet! Hein? Calisse. Je veux être payée pour ça. Magic Bullet. Chris de marde. Je refais tout le temps de la pub à eux autres. Tu sais, j'ai vu l'affaire des Magic Bullet? C'est épique! Comment t'as jamais vu ça de ta vie? Je veux pas t'aider. On va les couper maintenant. The Magic Bullet. The personal versatile countertop magician. Bam! On dirait moi quand je fais la bouffe vegan que je vais prendre les autres. Look at this! Look at that! I put everything in there. Some fake ham, some fake cheese, some fake everything. And then bam! Tu sais comment je suis pro? J'arrive pour être comme ça. Oh, on va se couper. Pour pas se pogner un doigt. Mais le but, c'est d'accoter la lame dessus. Oh, ok! Vas-y. Ok. Oh, pareil. Hey, ça va être quasiment gênant si on en a pas une. Fait que vu qu'on est meilleur à boire que lancer des patates à bonne place, ben on va faire ça. Est-ce que tu connais ça, le jus de citron? Oui. Est-ce que tu sais les quantités qui seraient appropriées en cette... oui. On va y aller avec une demi-cuillère à thé. Et celle, on va y aller à mon œil. Ça va être beaucoup trop. Avec toi? Ouais. À devenir vegan, ça part d'où? J'ai vu une vidéo sur Facebook qui parlait. En fait, c'est Mélanie Joy qui fait comme une genre de discours. T'sais, elle explique qu'on a vraiment comme séparé dans la société les animaux de compagnie, les animaux d'élevage. Exactement, exactement. Qu'il n'y a aucune raison pourquoi ils sont séparés de cette façon-là. Ouais. Amané, elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué, que si les abattoirs étaient faits en vitre, ouais, puis qu'on voyait vraiment à l'intérieur, personne ne mangerait la viande parce que ce serait tellement abominable. On serait tellement confronté à la douleur qui vient avec le fait de manger un steak, on ferait comme, ben fuck off, t'sais. On va juste déglacer les oignons verts avec du vin. C'est ça.
c'est le bruit du bonheur, tu sais, quand ça fait chhhh. Fait que là, on va mettre la sauce. Ça a l'air vraiment des morceaux de bacon, là, c'est pas une crise de joke, là. Bacon, c'est nice. Donc, c'est le dévoilement du résultat final. Es-tu excited? Wouh, check out, c'est creamy! Avec les morceaux de bacon, let's do this. Qu'est-ce qu'on fait? On va juste goûter. Avec un morceau de bacon. Merci Mimi pour cette recette, ma foi, impeccable. Je veux dire, il n'y a pas une personne pas vegan sans terre qui va manger ça et va être comme « Oh mon Dieu, ça goûte le vegan, genre zéro là. » Genre impossible. Genre si vous me trouvez quelqu'un, amenez-moi-le, on va avoir un talk, moi puis lui. Si vous voulez plus de recettes vegan, vous pouvez me le dire dans la barre de commentaires. Et vous pouvez aller voir tout les réseaux sociaux de cette merveilleuse personne. Merci, Mimi. Merci à toi. Bye bye. À plus. À plus.